Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 23, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Jésus. Tu as promis d'être avec nous. La fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh oui, tu as promis. Tu as promis d'être avec nous. Moi, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Oh, mon Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Merci, notre Père Céleste, notre Dieu, pour ta promesse, notre Père, parce que tu es réellement fidèle. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous accrochons vraiment à ta parole, comme mon précieux frère l'a dit, dis simplement un mot. Tu as dit, personne, et nous accrochons à cela, et nous savons que réellement que tu veilles aussi sur ta parole à toi, mon bébé. Merci encore pour cette soirée que tu permets que nous puissions être là. Oh, nous t'avons chanté, nous t'avons glorifié, nous nous réjouissons encore davantage, Père Dieu, la grâce d'être là parmi les vivants, parmi ceux-là qui peuvent te louer comme ce n'est pas les séjours de mort qui peut te louer, Seigneur. Et ce sont les vivants, ce sont ceux-là qui te louent aussi aujourd'hui. Sois donc béni, Père Saint-Dieu, pour ta bonté, pour cette grâce de pouvoir être là dans ta maison à toi, Père. Il y a ton peuple aussi qui est connecté en différents endroits. Nous prions pour qu'il soit aussi béni, Père Saint-Dieu, qu'il puisse aussi avoir aussi par la bénédiction que toi tu déverses dans cet endroit. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père, pour ce que tu feras encore davantage pour nous pour ce soir. Nous demandons cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de cette grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir être là encore aujourd'hui. Et comme c'est un jour aussi où nous voulons louer notre Dieu et prier, c'est quand même des moments particuliers.
privilégiés que le Seigneur nous donne. Et comme nous le disons, nous voulons saisir chaque occasion que le Seigneur nous donne pour que nous lui rendions un culte qui soit donc agréable. Que le Seigneur dispose donc de nos cœurs et de nos âmes, et enfin que nous puissions être aussi purifiés et sanctifiés. Il fait de merveilles. Il fait des grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Et nous voyons que même jusqu'à aujourd'hui encore, il attire encore des hommes et des femmes, démontrant qu'effectivement, qu'il a encore un peuple sur cette terre. Nous pouvons voir que même des gens qui sont trop loin, qui arrivent à pouvoir être en contact avec nous ici, le Seigneur le fait sortir effectivement de l'emprisonnement dans lequel il s'est trouvé. Et ils peuvent rendre témoignage qu'effectivement, que j'étais vraiment très loin, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais réavoir le même sentiment pour Dieu. Mais voici que Dieu, en un instant, il a fait cela. Nous le remercions vraiment pour cet amour qu'il témoigne à l'endroit, à notre endroit aussi, aux hommes aussi, de ceux-là qui les cherchent de tout. Il y a beaucoup de gens de par le monde, effectivement, qui ont cette soif de connaître véritablement Dieu, le véritable Dieu. Parce que dans différents lieux, différents endroits où ils vont, ils ne rencontrent que simplement des cérémonies, en fait, des rituels et des choses que les hommes font, effectivement, mais qui n'ont rien à voir à pouvoir apporter un changement dans la vie d'une personne. Et quand ils arrivent à avoir l'occasion et la grâce que le Seigneur, notre Dieu, leur prouve qu'il est vivant, parce que c'est vrai, les gens sont toujours attirés par ce qui est tellement brillant, donc les choses qu'on leur présente comme étant des miracles, effectivement, ils sont attirés à cela. Mais ils se rendent compte qu'effectivement, qu'il n'y a pas quelque chose qui transforme leur vie, leur être intérieur, effectivement, pour qu'ils se sentent effectivement aussi concernés par les choses que le Seigneur, notre Dieu, dit effectivement, par la parole, par ce que les Saintes Écritures. Parce que ce que nous désirons, c'est que une personne désire effectivement ce que il se retrouve aussi dans ce que la Bible déclare, dans ce que Dieu déclare. Non pas que ce soit en opposition avec lui, mais que ça puisse être quelque chose qui répond et qui correspond aussi à ce que lui, il a à l'intérieur de ce qu'il a appris effectivement de Dieu. Comme vous pouvez aussi réaliser qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, connaît ce qu'il connaît vraiment ce qui lui appartient. Et lorsque nous sommes à lui, quand nous pouvons entendre effectivement aussi sa parole, nous désirons vraiment nous conformer à sa pleine volonté. Malgré les lieux dans lesquels on peut se trouver, il y a une profondeur qui appelle. Il y a aussi une soif dans notre intérieur qui veut vraiment être comme la parole de Dieu l'a dit. Alors, on ne s'explique pas cela parce qu'on commence à pouvoir prendre plaisir à ce que nous soyons vraiment identifiés à la parole de Dieu. Et nous puissions être aussi de ceux-là qui, quand ils lisent aussi les Saintes Écritures, ce que les autres ont eu à pouvoir expérimenter et aussi apporter aussi, nous puissions aussi nous sentir effectivement que cette chose aussi, c'est aussi pour nous en fait. Parce que dans la plupart du temps, nous réalisons qu'effectivement, que c'est seulement à eux que cela s'est passé. Nous nous souvenons ici, nous avons eu à pouvoir lire aussi dans les Saintes Écritures un rapport, effectivement, où le Seigneur nous disait dans Hébreux chapitre 3, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Nous réalisons aussi que nous aussi, nous avons aussi notre aujourd'hui. Parce que eux aussi, ils ont eu aussi leur aujourd'hui. Et dans leur aujourd'hui, effectivement, ils ont vécu ce que le Seigneur leur avait réellement aussi donné. Nous prions toujours pour que le Seigneur nous accorde toujours ses soutiens et ses secours pour que nous ne puissions pas être de ceux-là qui s'habituent. Amen. Oui, l'habitude s'installe effectivement, nous écoutons et puis bon, on sort, on reste toujours effectivement dans ce que nous avons gardé longtemps. Mais ce que Dieu nous dit dans le présent, ça ne reste pas dans notre intérieur. C'est cela le grand danger effectivement, comme nous l'avons eu pour l'entendre aussi, que nous devenons des religieux effectivement sans se rendre compte. Parce qu'on a pris les habitudes, effectivement, c'est comme ça. Et puis, même quand Dieu parle à nous, savions, vous prenez seulement ce qui vous semble bien à votre endroit, mais tout ce que Dieu dit, les autres, effectivement, ben, on les met de côté, effectivement. Voilà pourquoi, effectivement, que parfois, nous ne changeons pas, effectivement, nous n'expérimentons pas beaucoup de choses. Alors, l'accent ne doit pas être mis sur les miracles que l'on peut voir, comme par exemple, et ça, c'est vrai, les paralytiques qui peuvent marcher, les aveugles qui doivent voir, effectivement, ils voient quand on prie pour ça. Mais le véritable miracle, en fait, c'est ton changement à toi. C'est ça que beaucoup de gens, oui, ah, quand on voit un miracle, Dieu fait, mais en fait, ce que Dieu fait, c'est pas vraiment les miracles, vous voyez là. Parce que ce que Dieu cherche, c'est en fait la profondeur de ton âme. C'est toi. Parce que ces gens-là, ils peuvent marcher, ils peuvent voir effectivement, mais ils vont mourir.
Ah oui, mais quand ils vont mourir, ils ne verront pas la face de Dieu. C'est ça. Nous souvenez-vous toujours de la parole que vous entendez, effectivement. Mais nous n'avons pas chassé des démons, on a fait les gars. Nous avons fait tout ça, mais il n'est pas l'air. Aux yeux, Dieu ne les connaissait pas. Mais celui que Dieu connaît, c'est celui dans lequel Dieu habite. Et si Dieu est en toi, c'est chaque jour que tu viens dire, le Seigneur, je sens un changement dans mon âme. Je ne suis plus ce que j'étais, Seigneur. Je n'ai plus le même goût qu'auparavant. C'est vrai. Mais je sens que je change et puis mes aspirations, ben, ce sont. Ça s'accorde effectivement avec ta parole. Et alors que je prends plaisir à ce que... Alors c'est comme cela que nous verrons que les miracles vont suivre la parole, mon frère, ma soeur. Oui, c'est que... Comme nous voyons comment tout cela... Alors, Hébreux au chapitre 10, nous lisons à partir du verset... Je pense que c'est cela, nous avons peut-être fini cela. Voilà, on va venir verset 37. Hébreux 10, verset 37, nous lisons... Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra donc par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous voulons vraiment te dire merci, Ben, parce que tu permets que nous puissions avoir des occasions comme ceci. Mais tu as dit aussi dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous savons que ce n'est pas le nombre, mais nous savons qu'à un moment que tu regardes effectivement la qualité de ces personnes, Dieu, qui ont vraiment le désir de pouvoir vraiment avoir une communion avec toi, que c'est là que tu descends. Et nous sommes de ceux-là, personne, Dieu, tous ensemble rassemblés avec ce désir que toi, tu puisses réellement aussi nous aider davantage afin que nous puissions être conformes à ta volonté. Nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est toi qui peux nous aider. Béni soit ton Seigneur encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voyons que le verset 9 dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Parce qu'il y en a de ceux qui se retirent. Il y en a de ceux-là qui ont bien commencé, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, avec beaucoup d'engouement, effectivement, ainsi de suite. Et tout au long du chemin, comme vous voyez, effectivement, aussi, dans la plupart du temps, quand on regarde dans les Saintes Écritures, prenons par exemple les enfants d'Israël, vous savez effectivement comment c'est. Vous savez, les départs, l'engouement est toujours là, effectivement, parce qu'on voit qu'effectivement que la chose est ici. Et on a toujours cette pensée dans les cœurs, dans l'esprit, effectivement, de dire, ah, puisque on nous dit qu'il revient bientôt, alors avec tout ce qu'on voit, effectivement, si je m'accroche davantage, le Seigneur va venir bientôt et je partirai, effectivement. Et vous savez que dans les Saintes Écritures, même quand on parle effectivement de ce que le Seigneur a fait dans ce temps, et les gens ont eu à pouvoir vraiment se donner, et dans la pensée pour eux, effectivement, que le Seigneur revient bientôt, et puis moi, je suis sûr et certain que comme je me suis tenu dans les choses de Dieu, effectivement aussi, là, je veux partir en réalité. Et ils ont vu qu'un an est passé, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Alors, les gens qui avaient cette flamme dès le départ, nous voyons qu'au fur et à mesure que le temps passe, effectivement, que la flamme commence à pouvoir diminuer. Et comme la flamme diminue, effectivement, ils ont commencé dans l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici, dans Galates au chapitre 1, je suppose que cela, nous pouvons peut-être voir dans le livre de Galates, il en fait référence ici, je suppose que c'est ça. Nous allons donc trouver Galates. Voici donc le chapitre 3, je pense, c'est cela. Chapitre 3, dis-moi. Chapitre 3, verset 1, il dit, oh, vous y êtes? Amen. Galates, chapitre 3, verset 1, il dit, oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a donc fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, vous voyez? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous, par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, ainsi de suite. Alors, il nous montre effectivement que toutes ces personnes-là, même dès le départ, effectivement, il avait cet engouement qui était là. On voyait que, en tout cas, ils se sont vraiment donnés vraiment au Seigneur. Mais au fur et à mesure, comme il dit, là, vous voulez finir par la chair. Donc, au fur et à mesure que les temps passent, il y a la flamme qui commence à s'éteindre de plus en plus. Ces ailes qu'on avait, effectivement, oh, c'est là que le Seigneur nous dit qu'effectivement, que
la crainte que ces hommes, donc ce peuple a de moi, c'est une crainte des traditions humaines. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est dans les Aïe, c'est une crainte des traditions humaines. Ce n'est plus effectivement la véritable crainte qu'on a de Dieu, c'est-à-dire le respect et l'engouement, parce que on s'est dit que ce Dieu est grand. Dieu est vraiment considérable, effectivement. En fait, on croit, on a cru à ces dieux, parce que pour eux, il allait faire un quelque chose de tellement extraordinaire dans un laps temps court. Mais maintenant que ça traîne, ça devient problématique. J'avais, on avait cru, quoi. C'est pour ça que vous entendez souvent les gens dire, ah, au tout début, vous savez comment on avait la flamme. Oui, vous entendez souvent ça. Oui. Oh, si vous, à l'époque où nous étions, oh là là, c'était, tout le monde était, on voyait partout, mais pourquoi cette flamme n'est plus là? Parce que quand Dieu avait allumé le feu, vous vous souvenez, pour le tabernacle, effectivement, que les fils d'Aaron devaient surveiller, ce feu, il devait être maintenu continuellement tous les jours. Il ne devait pas s'éteindre. Il ne devait même pas diminuer, donc il devait être alimenté, effectivement, ainsi de suite. Donc, parce que lui, c'est Dieu lui-même qui l'avait donc allumé. Et on devait veiller, effectivement, que la flamme y soit, en fait. Alors, voyez-vous, c'est la nature de l'homme lorsque il ne réalise pas, effectivement, ce à quoi il s'est vraiment engagé. Et c'est ça le grand problème, effectivement. Et c'est ça qui fait que chaque fois, le Seigneur doit toujours revenir pour nous rappeler, comme l'apôtre Pierre dit, mais aussi longtemps que je suis dans ces choses, je vous rappellerai ces choses. C'est bon que nous ne mettons pas à l'oublier, en fait. Parce que dans les sept écritures, on le dit ici, dans deux pièces, on dit, mais ils veulent en effet ignorer. C'est-à-dire qu'effectivement, que les choses se sont passées. Parce que nous, nous ne devons pas ignorer ce que le Seigneur a fait. Il nous a toujours dit qu'effectivement que je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, dans chaque année, même s'il faut 6000 ans, le Seigneur restera toujours le même. Et ta foi, toi, et l'engouement que toi tu dois avoir pour Dieu, n'est pas pour quelques années seulement. Non, monsieur. Il faut qu'effectivement, que au-dedans de toi, dans ton âme, effectivement, tu sois bouillant tout le temps. Pourquoi la flamme de Dieu et l'amour de Dieu dans ton cœur doit de temps en temps monter, diminuer, par temps diminuer? Pourquoi ça doit diminuer? Mais c'est parce qu'effectivement que tu ne savais pas pourquoi tu t'accrochais à ces dieux. Non, mon frère, ma soeur. Parce que ces dieux a d'ailleurs pouvoir, parce que c'est vrai, on le rappelle, Dieu dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Parce qu'il y en a de ceux qui se retirent. Ah, j'ai entendu. Ah oui, j'ai prié. Ah oui, j'ai fait. Mais je ne vois pas les changements. Je ne vois pas ce que Dieu fait. Mais mon frère et ma soeur, Dieu fait toujours. Amen. 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 Ils se retirent parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais toi, tu restes pourquoi? Pourquoi tu restes effectivement? Qu'est-ce que ça veut dire avoir foi? Mais tu as foi qui? Pas en ta face, ce que toi tu vois. Mais tu as foi. Vous, afin que vous puissiez comprendre comment cela s'est fait, effectivement, que la Bible montre que quelqu'un qui a la foi, cette foi doit être comme une foi mortelle. Vous savez cela, mais comment, en fait, sa foi s'applique et aussi, ça peut rester ferme à l'endroit de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre pour cela. Parce que, regardez, d'Abraham, on nous a dit une chose. Pour que vous puissiez voir que lui, l'engouement et la flamme à l'endroit de Dieu n'avaient pas diminué. Et pourquoi n'avait-il pas diminué? Ah ben oui, c'est parce que la parole de Dieu nous dit qu'effectivement qu'il crie, et puis il devait être aimé. Il ne considéra point. D'abord, remarquez très bien que son corps était usé. Donc, effectivement, les éléments lui montraient cela. Parce que nous aussi, par exemple, quand on dit, mais ah, j'ai une situation que je voudrais que Dieu arrange, je prie, je veux que. Oui, bien sûr. Mais en fait, et quand on ne voit pas réellement la chose s'accomplir, dans les laps de temps que nous avons déterminé à Dieu. Parce que vous voulez que Dieu l'accomplisse dans les laps de temps que vous voulez. Et si ces laps de temps passent, ah, Dieu n'a rien fait. Ah, ben oui. C'est ça, en fait, notre foi. C'est-à-dire que nous ne nous rendons pas compte, frères et sœurs. Vous, c'est vrai, c'est douloureux. Parce que vous ne savez pas à quoi vous êtes engagé. C'est une grâce extraordinaire que Dieu vous ait appelé pour que vous puissiez marcher avec lui. Parce que toi, tu imposes à Dieu de quelle manière ce Dieu doit agir avec toi.
Tu lui donnes des conditions. Sans te rendre compte de ce que tu donnes des conditions, ça doit être comme ça, c'est comme cela. Alors j'attends maintenant. Ah, j'ai été lourd, Seigneur, parce que tu fais ce que tu veux. Mais en fait, il ne fait pas ce qu'il veut. Il doit faire ce que toi tu veux. De la manière dont tu veux. De la limite dans laquelle toi tu veux que Dieu le fasse. Si jusque-là Dieu ne l'a pas fait, alors bon. J'aime bien les soeurs qui sont là. J'ai béni Dieu parce que souvent quand le Seigneur nous parle comme ça, on dit, ah, ce monsieur il s'excite, il dit, c'est. Vous savez, nous avons notre jeune ici, que Dieu le bénisse, Isaac. Il est là, je pense. C'est un enfant particulier. Vous savez, Isaac, il m'écrit, j'étais touché, c'était très tard la nuit, je crois que c'était la réunion du mardi, je pense. Il dit, mais le Seigneur m'aime. Il est là, c'est vrai, non? Il dit, je peux. Et Dieu te bénisse. Et c'est pourquoi il dit, Seigneur m'aime. Il dit, il t'aime vraiment, parce qu'il quand même il te connaît. Pourquoi? Vous savez, j'ai donné un exemple ici, j'étais ici, comme Isaac. Et c'était exactement la même chose. Il dit, mais c'est extraordinaire parce que au mois d'avril, on m'avait invité pour aller. Il est là, n'est-ce pas, grand? Et Dieu te bénisse. Il dit, Dieu même, c'est pas possible. Il a cité mon nom. Et puis il a dit exactement la chose. Et effectivement, c'était aussi comme c'était dit. Et à l'endroit où il m'a invité, je devais y aller. Il dit, le même nuit ici, quand je suis venu, j'ai dit, je veux plus. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? Non, Dieu, c'est dit, Dieu te connaît. C'est extraordinaire. Même ton nom. Et puis ce que tu allais faire, il dit, j'étais vraiment dit, mais oui, c'est la vérité, il est là. Mais j'ai dit, il m'a écrit, bon, t'as il est là. C'est vrai, n'est-ce pas? Parfois vous êtes là, il dit non, Dieu parle à quelqu'un. Amen. Oui. Nous ne sommes pas ici dans une association. Nous sommes dans un lieu où nous avons prié, Seigneur, tu nous parles. Parle-nous parce que nous avons une situation. Montre-nous comment on doit faire. Ne soyez pas distraits, ne venez pas pour nous. Vite. Bon, de toute façon, je m'arrête. Vite, on rentre effectivement. Mais Dieu a son peuple. Ses enfants, parce qu'ils sont fils, il allait quand même aller dans un mauvais endroit. Et Dieu ne voyait pas, c'est Dieu qui lui a donné ses dons. Il veille sur son don, il veille sur cela. Alors que quand les gens disaient, viens, il avait dit, oh, j'y vais aller vite. Mais il a tellement stoppé, il dit, ah, Seigneur, c'est que tu me connais, tu m'aimes. Que cela soit ainsi aussi pour toi. Alors, Abraham, qui aimait tellement Dieu. Ce qui est vraiment particulier, c'est que la manière dont Abraham a commencé avec Dieu, il en savait la portée, effectivement, comment Dieu allait arriver à pouvoir. Parce que Dieu lui a dit, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il savait très bien quelle est la responsabilité qui reposait sur ses épaules. C'était qui, hein? Donc, ce n'était pas un monsieur qui sortait pour l'aventure, bien non, je vais me crocher à Dieu pour que dans le laps de temps, dans ce court temps, peut-être dans 1 an, 2 ans, que Dieu fasse quelque chose comme ça. Il va faire. Non, Abraham sortit et il devait simplement se laisser entre les mains de ses dieux. Parce que d'abord, on nous a prouvé cela. Parce que quand il a dit que je m'en vais sans postérité, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Viens, Abraham, regarde les étoiles du ciel, compte les étoiles. Humainement, pour l'heure de soi parler ici. Hein. Mais réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Abraham eut confiance à l'Éternel. Donc il disait qu'en fait, il m'a montré ce qu'il est capable. Donc, que ce soit n'importe comment, je sais très bien que s'il a dit donc cela, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne considère pas que son corps était déjà usé. C'est lui montrer contrairement, effectivement, parce que oui, bien sûr. Parce que, cher Dieu, il est bon, frère. C'est malheureux de voir les gens qui n'aiment pas Dieu. C'est malheureux de voir, mais c'est vrai, ce ne sont pas nos maladies qui vont nous stopper, mais Dieu, qu'est-ce que c'est que même si, c'est pas ça le problème. Mon problème, moi, c'est que je l'aime. Alléluia. Ah oui, monsieur, madame, oui. Je lui reste attaché, fidèle tout le temps. Bien sûr, monsieur, même si la mort frappe, on sait qu'on n'a pas de problème, parce qu'il a résolu notre problème. Amen. Pourquoi je vais me fatiguer de Dieu, mon frère? Pourquoi je vais me défaire? Oh, parce que je n'ai pas réussi. Non. Si je n'aime pas, je réussirai. Alléluia! Parce que mon amour pour Dieu ne se limite pas à la réussite. Non! Oh, merci Seigneur. Mon amour pour Dieu, pour ce qu'il est pour moi. Il est mon Dieu. Alléluia! J'ai aussi un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'étais 100 fois sans Dieu.
Mais maintenant j'ai un Dieu, il est le mien. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Je ne peux pas. Avec quoi, avec qui comparerais-je? C'est Dieu. Même si j'ai le haut et le bas. Je suis dans le haut, je suis avec lui. Dans les bas, je suis avec lui. Que Dieu te réussisse dans sa délice. Mais c'est vrai cela. Hein? Je crois que notre sœur Elise a chanté, ou bien notre sœur ici, de Dieu dans la vallée, hein, de la route. N'est-ce pas? Elle nous chantera ça tout à l'heure. C'est en anglais, d'ailleurs. Je crois que même il avait traduit à ce moment-là. Je ne sais plus. Il est toujours le même, parce que lui, quand on est dans la montagne, là, tout va bien. Et quand on descend dans la vallée, ça commence à bouger. Mais à la montagne, tout va bien. Dans la vallée, tout va bien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. S'il est mon berger, même quand je n'ai l'ombre de la vallée de la mort, quand nous nous battons, me rassure. Donc là, partout, il est avec moi. Alléluia! Et Dieu vous bénisse. Mais vraiment, nous avons prié. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée encore en ce jour de pouvoir être dans ta maison. Oh, nous prenons vraiment plaisir à pouvoir nous accrocher à toi. Nous savons que peu nous importe dans notre marche, mais nous pratiquons. Oh Dieu, aussi longtemps que tu es avec nous, que toi tu es avec nous, que nous sommes là, être conduits par toi, personne, c'est aussi notre allégresse, notre joie. Béni soit ton Seigneur encore pour ton amour. Béni soit ton Seigneur encore pour ta bonté, pour cette grâce que tu ne cesses de pouvoir manifester à notre endroit. Ce peuple est à toi, mon bien-aimé Père, Saint Dieu. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi, qui s'approchent à toi. Peu importe les puissants, peu puissants, les circonstances, mon bien-aimé Père, Saint Dieu. Nous pouvons voir comment Abraham était Père, Saint Dieu. Il avait une pleine conviction. Seigneur, c'est comme t'as vraiment aimé, mon bien-aimé Père, Saint Dieu. Aide-nous aussi à être comme cela, mon bien-aimé Père, Saint Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui t'ont vraiment aimé. Malgré les difficultés, malgré les distances, malgré les bénédictions, Dieu, les années, jamais leur cœur s'est attaché à toi, bénévole Patrissant. Il est toujours enflammé de ton amour à toi, bénévole Patrissant. Parce qu'il savait que tu es capable de voir courir la chose, bénévole Patrissant. Sois béni encore ce soir. Merci pour ce moment. Merci encore pour ce temps. Merci encore pour ce peuple qui est en toi, tant celui qui est ici, qui est aussi en condition différente, en voie différents pays, mon bénévole Père Dieu. Qu'il soit donc béni et fortifié, mon roi. Car nous t'avons ainsi prié, te remercions pour ce temps que tu nous as donné encore ce soir. Nous t'avons aussi remercié pour la gloire et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au nom, tu peux venir. Lise, tu peux venir. Et tu connais quand même ce côté. Et tu pourras aussi l'avoir aussi en français, si possible. Ok. Mais si, nous avons quand même notre soeur, Louise, il est là ou pas? Non. Mais Mary est là. Oui, Mary peut traduire un peu après, je pense qu'il sent. Hein. Mais tu peux chanter, Mary, va traduire. Ah, oui, que les musiciens nous donnent donc les tons. Puis... Life is easy. When you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known.